Salut les amis. Bon, aujourd'hui ça va être une pêche rapide en rivière. Bon, comme vous avez vu, on a fait un petit peu de marche. Donc aujourd'hui ça va être une pêche simple avec deux cannes chacun. Le fiston va mettre deux cannes de son côté. Il va les lancer tout seul et moi mettre les deux cannes sur le spot qu'on a. On a amorcé les deux spots. Donc on va utiliser une petite bouillette. Curry Scopex à base de fruits confits à l'intérieur, quelques attractants, voilà. Curry Scopex. Allez, on vous reprend tout à l'heure. C'est parti, on monte le matos. Pour avoir des départs en direct sur un trépied ou l'autre. Bon, comme vous avez vu, on s'en fout, hein, on refait voir les spots. De toute façon, on pêche rarement sur les mêmes spots maintenant, donc voilà. C'est pour faire voir aux gens que la Sèvre est grande et on peut pêcher partout. Et il y a du poisson un peu partout. Donc là, c'est un spot qu'on connaît, évidemment. On a déjà fait des vidéos ici et on en refera d'autres, hein, sûrement. Hein. Mais bon, on va pas venir régulièrement sur les mêmes postes maintenant. On va changer. Voilà, voilà. Donc, ben on va croiser les doigts pour qu'il y ait une touche et essayer de vous reprendre avec un poisson. Après, déjà, s'il y a des départs, c'est bon signe. Bon, il a mouillé pas mal cette nuit. On s'est pris un bel orage. Et pour ce qui est de la date, on est le 10... Non. Non. On est le 9 novembre. Ah oui, on est le 9. On est le 9 novembre 2022. Voilà, voilà. Donc, la vidéo, elle va sortir en... Il y a des vidéos, j'avais oublié de donner la date, excusez-moi. Je suis désolé. Donc là, on est le 9 novembre. Et on est en pêche rapide de quelques heures, juste l'après-midi. Voilà. Donc on est arrivé là, il était 13h... 13h15. 13h15 et on a fini de tendre, il était 13h30. Donc on va pêcher jusqu'à 17h30, voire ouais, 17h30, hein, ça se couche le soleil. On a le droit une demi-heure après. Ouais, mais le problème, grand max 18h, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est que là c'est couvert, donc à mon avis, 17h30, il a commencé à faire vraiment noir. Ouais, j'espère qu'on va pas se prendre d'averse. Bon, c'est vrai ce que me dit mon fils, c'est vrai que c'est couvert. Donc il va faire assez sombre rapidement, donc... Je pense que 17h30 on devrait... On va commencer à plier. Ouais, je pense qu'on va commencer à plier vers 17h30. On est bien.
Sinon, on est bien, il mouille pas pour l'instant. C'est assez dégagé. Et bon, ben, on va voir par la suite ce que ça va donner. On a l'habitude d'avoir des touches ici, donc il n'y a pas de raison. À moins qu'il ait trop mouillé cette nuit, c'est vrai que l'eau est un peu teintée, on verra bien. Allez, à tal. Tu mets des roches comme ça là au ralenti. Bon ben voilà les amis, première touche, ça fait quoi? Un quart d'heure qu'on est là? Allez, je vais vous faire voir ce joli poisson. Elle est pas grosse, mais qu'est-ce qu'elle est bien foutue! Elle est magnifique. Elle est sacrée couleur. Joli poisson de rivière. Voilà pourquoi on aime la rivière, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et tomber sur des poissons comme ça déjà, c'est que du bonheur. Petit sourire pour la photo. Ouais. C'est bon. Voilà. Allez, on va la relâcher et on va tâcher d'en prendre une autre. Elle a une petite tache orange là. Ouais, elle a une tache orange là sur la nageoire là. Et puis même elle est bien, ouais, elle est super couleur. Elle a des belles couleurs. Ouais. Magnifique. Allez. Ouais. Est-ce qu'on dit? Yes. Oh, Will, Will, Will! Oh, départ, départ! Okay. Vas-y, okay. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Je sais pas, mais elle est énervée. Tu dis, elle a dû voir les buzettes. Elle est nerveuse de fou. Maintiens-la en surface. Elle est même pas abîmée, rien, elle a pas de piqûre. Bah non, c'est des poissons sauvages. Hein. Elle n'a pas beaucoup qu'on des piqûres dans le coin. Elle a pas compris. Elle veut pas se laisser faire. Hein. Là, comme ça, il y a un sens. Monte là un peu. Voilà. Allez, une jolie petite coco de rivière encore. Magnifique. Vas-y, t'expliques un peu ta pêche. Bah là, j'étais tendu à quoi? À 40-50 cm à peine des branches et elle est partie. Elle est même pas partie dans les branches derrière. Elle a fait un tout droit sur tes cannes. Ah, c'est bon, on l'a vu, on va la relâcher. On va la faire voir aux autres. Ouais. Mon dieu, si je la sors, je suis refait. Elle est pas mal, elle est pas mal. La canne, elle est cintrée, mon gars.
putain le veau. Oh la bouche. Allez dedans mon Gio. Attends, allez pas dedans. J'arrive pas. C'est bon. Non. Putain. Je me bats avec. Ah mais t'as pris le. Oh merde. C'est pas évident. Non hein. Ah, non, elle est belle. Hein? C'est un beau bébé là. Souris. Ah, j'ai du mal à parler. Elle est super lourde. Souris. Ça fait largement plus de 10 kilos. Tu veux la prendre toi? Je vais essayer après pour les photos au pire. T'as fait une photo? J'en ai fait, ouais. J'ai du mal. Bon. Ben, super poisson. Hein. Allez, elle est bien large. Elle nous a fait un super combat. Ouais, elle tient à peine sur le tapis. Hein. Bon allez, on va la relâcher. Mon fils va essayer de vous la présenter parce que moi j'y arrive pas. Belle miroir. C'est vrai quoi, elle pèse. Ouais. Allez, on va la relâcher et on va essayer d'en prendre une autre. Quatrième. Allez, à toutes. On va pas tomber dans l'eau. Oula, oula. Fais la glisser sur le tapis. Mais bon. Elle est sur le tapis, mais... C'est chiant, ce tapis, là. Ah, puis là, pour descendre dans l'eau, c'est... Voilà. Là, c'est bon. Allez. C'est bon. Elle repart. Bah, si. Bah, là-dessous. Ah, regarde, elle repart, là-bas. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a une souche juste devant et t'es posé dessus? Yes, good. Ouais, ouais, vas-y. Bon les amis, on vient de piquer un énorme poisson. Enfin mon fils, sort les cales à mon fils. Ça aurait été cool, deux poissons chacun. Mais il a voulu la brider et elle a refait un roche et elle a carrément arraché le bas de ligne. Cassé en plein milieu du fluorocarbone sur du 45 livres, je crois. Ouais, c'est du 45 livres. Dommage. Sûrement une grosse coco de rivière. Elle a voulu repartir dans le petit arbre immergé. Là-bas, il a voulu la retenir et... La canne a plié, mais alors bien plié. Ah mon fils. C'était drôle. Non. Il est dégoûté. Ah, il est carrément dégoûté. Il rigole, mais c'est pas drôle. Et du coup, non, mais voilà. Donc, on va rentrer. C'est là, il est. Comme je disais, 17h30. Donc, 4 départs en 4 heures. Made in Rivière. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez. Pensez à regarder les vidéos entièrement, s'il vous plaît. Parce que il y aura un jeu concours. Je ne sais pas quand pour l'instant. Ça sera mon premier jeu concours et il y aura quand même un beau lot à gagner. Donc, soyez prêts pour le jeu concours, les amis. Donc là, on va ranger, parce que, bon, j'avais dit 17h30, donc on va
On va ranger tout le matos et on va se rentrer au chaud parce qu'il commence à faire frais. Et je vous dis ciao, bye bye, à bientôt les amis. Allez, ciao.